La voie attenante à la salle de cinéma Concorde à Kwakwa et qui sert de parking aux camions de transport de sable et gravier est dans un état piteux. Elle est aussi objet de mésentente entre les propriétaires de ces gros porteurs et les riverains qui y ont installé leur commerce. Tanguy Agoï, Dintiyani. Rue est attenante à la salle de cinéma La Concorde à Kwakwa en plein cœur de Cotonou. Sa partie antérieure sert de parking aux gros porteurs et autres camions béliers qui viennent y exposer leur contenu. Du sable marin ou continental et du gravier à vendre sur un site en piteux état par 7 ans de pluie. Inutile d'en chercher les auteurs, on se rejette mutuellement le tort ici entre conducteurs de véhicules titans et commerçants de sable et gravier. Ce n'est pas nous, conducteurs de béliers, ce sont les titans qui viennent stationner ici souvent, qui mettent la voie dans cet état. Et quand on leur demande une contribution pour le remblai, ils refusent. Les recettes de la taxe de 1000 francs CFA perçues sur chaque camion de sable ou de gravier et dont une partie va à la mairie ne peuvent couvrir suffisamment les charges pour le remblai de cette voie. La souscription volontaire sollicitée auprès des différents patrons d'ateliers et autres propriétaires de points de vente, de restaurants ou de bars n'a pas reçu l'assentiment de tous. S'il vient, il prend 200, 200. Il est de la mairie ou... Non. Ainsi se sont-ils débrouillés pour améliorer l'état de ces lieux. Un effort patient et continuel d'une trentaine d'années qui a donné au grand bas-fond qu'était cet endroit le présent visage. C'était un grand trou ici où venaient se réfugier les voleurs et leurs butins ainsi que d'autres malfaiteurs. C'est nous qui avons amélioré ces lieux à coup de voyages de camions de sable et de caillasses. On était à Cotonou 2 d'où on nous a chassés. Maintenant qu'on a fini d'arranger ce bas-fond et de le rendre viable, des nouveaux venus veulent encore nous déloger. Ils attendent que nous dépouillons la voie alors qu'ils ne contribuent même pas comme nous à son entretien. Et pourtant, ils ont des bourses plus grandes que nous autres. Ils nous ont même convoqué au commissariat de Sogatine, mais nous ne cédons pas. C'est une querelle née, disent-ils, de la volonté de ces nouveaux venus, comme ils les appellent, de réduire à tout prix cet espace afin de mieux installer leur commerce. Et les tours dans les commissariats de Cotonou se poursuivent à ce sujet, pendant que le site garde son état déshonorable pour la capitale économique du Bénin.